Allez mes fratés, en tout cas, j'ai pris ma bonne douche. Alors je vous explique les gars, si vous voulez faire des activités, que vous êtes sur Dubaï, si vous êtes sur Dubaï la team, attendez, je vais vous poser là. Je vais vous poser plus là-bas. Ok, si vous êtes sur Dubaï les gars, que vous voulez faire une activité, si vous voulez louer une voiture, vous voulez louer un bateau, quoi que ce soit la team, je vais vous partager en arrobase là, une personne qui vous gère tout ici, qui est au top et que je vous recommande moi personnellement à 100%. Voilà, donc je vous mets l'arrobase les gars, vous voulez une voiture, un bateau, une sortie désert, n'importe ce que vous voulez aller faire du ski au mol, vous voulez une assistance sur n'importe quoi les gars, vous le contactez, il est là, dispo 24 sur 24, voilà, un vrai service. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre, ça peut toujours servir. Alors, pour moi, midi, ça sera bébé. Betterave, je déteste ça. S'il y a bien un truc sur terre que je peux pas manger, c'est les betteraves. Allez, c'est bon les betteraves. C'est horrible. Team betterave. Betterave pour papa. Thiago, tu veux goûter un betterave? C'est bon, ça donne beaucoup de force. En fait, ça, par exemple, si tu veux faire le ninja et que tu veux faire des pirouettes, quand tu manges ça, direct après, tu fais une pirouette. Tu veux goûter? Tu vas voir. Toi aussi? Ah, quand j'étais un small baby, t'as mangé ça, hein? Ouais, quand c'était un small baby. Tu vas voir, Thiago, comme il va décoller. Thiago, je vais lui donner un bout de betterave. Il va décoller. Vas-y, goûte, papa, le betterave. Juste sans, comme ça. Non, mais viens, va. Sans. Juste sans le. Sans. Oh, comme ça sent bon. Sent bon? Ah oui? Ça peut être bon. Oh, moi, comme je le mange. Regarde. Eh, papa, va. C'est pas parce que maman n'aime pas que c'est pas oh, bon. Oh, que c'est bon. Allez, goûte, mon chacha. Peut-être que t'adores ça, peut-être. Goûte, chacha. Allez, mange un petit bout. Goûte pour voir. Au pire, tu recraches. Bon, des betteraves. Mais Angelina, quand c'était un small baby, elle a mangé ça. Elle va goûter, Angelina. Ah, oh, ma bébé. Vas-y, ma bébé, betterave. Thiago, vas-y, papa. Vas-y, c'est très bon. Allez, vas-y. Oh, comme c'est bon, c'est excellent. C'est un tout petit peu. T'as vu? C'est bon, mon gars. Alors, c'est excellent. Before me. Qu'est-ce que c'est là? Before me. Et ouais, Dado, il mange, hein? Ah, Dado, il mange ses betteraves, hein? C'est bien, Dado, il est comme son papa, on adore les betteraves. Non. Tu veux comme c'est bon? Oh, bouche de vieille, qu'est-ce que tu as là-bas? Ah, qu'est-ce que. Ah, il a recraché, il a craqué! Alors, les kids, j'ai assaisonné ma betterave. Je lui ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Qu'est-ce que vous en pensez? Yeah? Tu veux goûter, Angelina, la betterave? Tu veux goûter ma betterave assaisonnée? Non. Alors, on va voir. 3, 2, 1, betterave. Ça va? C'est le même goût. Mais ça va? Ça va, franchement, c'est super bon. Voilà, c'est excellent. Qui veut une betterave? Qui veut la betterave? Psst, betterave. Non. Qui? Angelina ou Thiago, il faut choisir. Maman. Angelina, choisis. Toi ou Thiago? Maman. Thiago, qui mange? Toi ou Angelina? Angelina. Oh! Là, on a 2-3 idées de cadeaux. Je sais que Thiago va absolument avoir un gros bon bacan. C'est beau ça, un atelier d'art. Wow, regardez les enfants, ouais, les enfants, là, ils peuvent venir là. Hein. Ouais, atelier d'art. On voit ça. Ah, c'est beau, hein. Thank you.
là, les fratés, du coup, pour les emplettes de Noël, très important, je vais leur prendre deux beaux vélos. Voilà, deux beaux vélos, je vais leur prendre. Alors, la dernière fois, je suis passé par là pendant qu'ils étaient là. Je vais prendre, je pense, un vélo blanc et rose pour Bubu. Et un vélo peut-être bleu ou noir et vert, j'ai vu, pour Thiago. Donc là, on a le rayon vélo. On a du choix, là. Ah, il y a du choix, là. Du coup, les gars, je vous montrerai pas les vélos que je leur prends, parce que ça restera une surprise pour vous aussi, du coup, à Noël. Oh là là, qu'il est beau, celui-là. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. OK. I'm going to check my wife, I'm coming, OK? Stay there. Don't move the bike. Attendez, les gars. On va aller chercher Manon. On va voir ce qu'elle en pense. Ah, je suis fier de mes vélos, là. Ah, là, les gars, je suis fier de mes vélos. Alors, Manon, je sais pas où aller. Hello. Je sais pas où aller, les gars. Allez, là, bébé. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça? Ça, c'est le rêve de Thiago. Ah, tu vois qu'il y est. Tu vois qu'il y est, le robot Batman, contre, ici. Demande-moi quand tu sais pas. Demande quand tu sais pas. Allez, prends-le, c'est bon, il est beau. Viens, je vais te montrer les vélos que j'ai choisis. Eh bébé, j'ai choisi des vélos. Et les vélos, c'est pour moi. Allez, ça, faut que tu lui montes. Hein. Allez, ça va, on va lui montrer. Vas-y, va kiffer. Par contre, les vélos, ne les montre pas sur Snap. On ne leur montre pas, même eux, ils ont la surprise. Parce qu'on leur fait la surprise aussi. Viens voir comme ils sont beaux, viens voir. T'es pas prête. T'es pas prête. Genre, même moi, je ne savais pas que ça pouvait exister. C'est vraiment les vélos 2000, des 2060. C'est les vélos de l'an 3000. T'es même pas prête. Si j'avais eu ça quand j'étais petit, je serais monté au plafond. Au plafond. Ah. Excuse-moi. Oh, sorry. Ah ouais. Alors ? Elle est beau. T'as vu ? Je t'ai dit là, si tu es obligé de prendre ça. Ah, c'est de la bombe. C'est les vélos de l'an 3000. Ouais, c'est beau. C'est les vélos de l'an 3000. Je te jure, j'aurais eu ça petit, je serais monté au plafond. Ouais. Pas mal, pas mal du tout. Oh, pizza, c'est magique. A pizza, a pizza, a pizza, a pizza. Now, now, a pizza, a pizza. OK. Now. Bi, bi, l'abeille. Alors les gars, je vous explique là. Manon, elle nous a fait mon repas préféré ce soir. Je peux pas vous dire mieux. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? 3, 2, 1. Ça, c'est du kiff. Oh là là, par contre, le fromage, on a 7. Non, moi, je veux ce fromage. Pommes de terre, fromage. Et là-bas, on a trouvé du bon jambon là-bas. Un petit bout de ce fromage. Il faut que je vous raconte. Mon père, il arrive là à Dubaï avec ma belle-mère, ils arrivent. Et mon père, il adore les cendriers de Bagatelle, ok? Il fait la collection. Et l'année dernière, on était parti à Courchevel et on avait récupéré à Bagatelle donc tout un pack complet. Et j'avais oublié de lui donner. Je suis parti en France, j'ai oublié. À chaque fois, j'oublie. Et là, cette fois-ci, c'est prêt sur son lit. Ça l'attend. Voilà, en stand-by. C'est ici. Il y a le cendrier, les tasses, Bagatelle Courchevel, le thé, même le petit thé, le full pack là. Et même le sac. Voilà, même ça, je ne sais même pas ce que c'est. Ouais, mes fratés, j'espère que ça va. J'ai pas trop snappé aujourd'hui, j'ai fait plein de choses. En plus, je suis saoulé, genre Snap, ils font que me mettre en visibilité, je sais pas quoi. Non. Snap, ils font que me mettre en visibilité. Cette nuit, papa, ils arrivent. Et quand? Dans quelle heure? 1 heure? 2 heures? Dans la nuit, là. 3 heures? Ouais, 2 heures du matin.
De viser pour connaître en visibilité réduite, je sais pas ce que c'est ce nouveau truc là, franchement c'est lourd, lourd, lourd. J'ai l'impression que maintenant les snaps ils sont gérés par des gars très bizarres, qui favorisent un petit peu qui ils veulent et qui défavorisent qui ils veulent aussi. C'est très très bizarre en tout cas, bref. Donc du coup bah, ça fait que je snap pas trop parce que du coup je suis deg. Je suis deg parce que les gens me disent on comprend pas ce que tu fais, on comprend pas ce que tu racontes. Parce qu'il y a des snaps qui passent normalement, il y a des snaps qui passent d'un coup en visibilité réduite. Voilà, donc c'est un bordel, donc du coup je suis saoulé. Alors qu'à la base j'adore Snap, je suis le Snapchatter qui a commencé quand Snapchat a commencé. je suis pas arrivé il y a 2 ans, il y a 5 ans, je suis arrivé frère il y a 10 ans. Snap il a été créé, j'ai téléchargé l'appli, j'ai fait des snaps, tu as compris? Mais bon. C'est pas grave. Donc du coup, je suis un peu énervé pour ça. Mais le problème, c'est que j'ai une super belle communauté ici sur Snap. Et je suis grave deg des gens qui contrôlent tout ça, qui gèrent ça. Parce que du coup, ils font un peu comme ils veulent. Ils favorisent les gens qui veulent et défavorisent les gens qui veulent. Voilà, c'est un peu mon coup de gueule. Et du coup, bah, ça m'embête parce qu'il y a des stories qui passent normalement, il y a des stories qui passent pas normalement. Et donc du coup, vous comprenez pas sur mes snaps. Vous êtes nombreux à me dire, on comprend pas. On voit un truc, d'un coup, voilà, vous voyez un truc, d'un coup, vous voyez pas un truc, et je comprends pas pourquoi il y a cette visibilité réduite. Et le problème, c'est que je ne sais pas qui contacter, quoi contacter, je ne sais pas comment. Et je ne sais même pas, en vrai, je sais même pas si c'est une personne physique qui fait ça, ou si c'est un bot, tu vois, autant c'est un robot qui fait ça. Autant c'est un robot qui fait ça, voilà, je sais pas. Là, à un moment donné, j'avais carrément un gros bug, par mail, je faisais que recevoir des messages. Attendez, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Mise à jour de la visibilité de votre Snap. Il semble que votre Snap soit susceptible de contenir du contenu à caractère. Ce qui n'est pas conforme à votre charte. Qu'est-ce que tu dis? Bref, voilà, que des messages chelous comme ça. Donc je comprends pas. Je comprends pas qui s'amuse, qui s'amuse pas. Bref, voilà quoi. Voilà, voilà. Donc du coup, un peu flemme. Voilà, me frater. Mais du coup, je continue, je persiste à snapper pour vous parce que je sais que j'ai quand même une grosse communauté qui me suit depuis des années, que ce soit à la télé ou sur Snap. Donc je me dis en fait, voilà, je ne vais pas tout arrêter du jour au lendemain. Alors c'est vrai que je suis très présent sur la plateforme TikTok. Maintenant, carrément, je me suis mis sur Twitch. Je suis très présent sur ces plateformes-là. Mais ici, je sais que j'ai une belle communauté et c'est pour ça que ben, je suis là encore. C'est pour vous. Voilà, mes fratés. Voilà, oh là, les gars, j'ai mon père qui vient d'arriver, là. Oh, le festin qui m'a ramené. Vous êtes même pas prêts. Aïe, je me suis fait mal. Oh là là. Alors, je t'explique. Tapenade. Sauciflard. Oh là là, regardez ça, le foie gras. Oh là là, et je te parle même pas de ça, là. Ça, tu sens que là, dans ces petits sachets, tu sens vraiment que c'est la France, ça, les petits sachets comme ça, rose, là. Oh là là, le kiff. Allez, Fatih, j'espère que ça va. Je me réveille, je suis un peu fracas. Oh, j'ai retrouvé une casquette. Du coup, il dit à les gars, j'ai attendu mes parents qui arrivent. Je me suis couché très tard. Et du coup, je suis KO et tactique. KO. Là, j'ai plein de trucs à faire là. Là, les gars, je vous explique un peu le planning.
On va aller voir avec mon père, d'ailleurs, mon père qui est arrivé. On va aller voir ma maison en travaux. Maison en travaux, peut-être j'en peux plus des cheveux jaunes. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Maison en travaux. On va passer à la cave à vin, on va recharger en vin. Et voilà, et voilà. Après, on va peut-être aller chercher les kids. Et let's go. Let's go, let's go, let's go. Il faut que je recharge aussi en parfum, les gars. Je vous dis la vérité. J'en avais une, je sais pas, une dizaine que j'ai acheté genre il y a un an. Ça y est. Ils ont tous pris un coup. Hein. Un an et demi, hein. Regardez, ils ont tous pris un coup. Il faut que je me fasse une full recharge. Là, il me faut une full recharge aussi. Alors moi, j'aime bien les acheter par... j'en achète des différents. J'en prends genre 6-7 différents. Après, j'y vais une fois. Hop, dans mes amis du moment. Et après, pendant un an, je surfe sur ces envies-là. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Elle est fantaisie, j'ai remis ma petite tenue Lacoste, full black, je l'adore. Ah vraiment, il n'y a rien à faire, c'est ma tenue ça. J'ai changé les TN. Voilà. Oh, c'est des fous ici, oh. Ils nous ont mis les tonneaux là. Oh là là, là on est au magasin là. Ah là, on va remplir là.